Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec cette toute petite vidéo juste pour vous dire ce que j'ai fait dernièrement avec mon seitan. Voilà, c'est de la bolognaise au seitan, tout simplement. En fait, j'ai procédé comme suit. J'ai mis mes tomates et mon concentré de tomates dans le blender. J'ai haché vite fait avec de l'ail. J'ai mis mes herbes de Provence dedans et j'ai rajouté le seitan comme vous l'avez vu la dernière fois en entier et j'ai haché très rapidement pour que ça fasse cette petite viande hachée. Et voilà, et ensuite j'ai fait revenir mes carottes avec mes oignons dans de l'huile d'olive. Et j'ai rajouté mon seitan, tout simplement. Je l'ai fait revenir une vingtaine de minutes. Enfin, voilà. En gros, au total, c'est une trentaine de minutes en faisant revenir les oignons, les carottes et faire cuire le seitan. Ensuite, j'ai rajouté mes spaghettis directement dans ma sauce pour qu'elles cuisent dedans, en fait. Je n'ai pas fait pré-cuire à l'eau et voilà. Tout simplement, voilà. Bon, ben, moi, je vous dis à plus tard. Je suis désolée, ça sort du frigo. Du coup, j'ai pas fait une présentation avec du parmesan, tout ça. Mais voilà. Voilà un petit peu l'idée qu'on peut faire avec le seitan. J'ai pas mal de petites recettes. Là, prochainement, cette semaine, en tout cas, je vais essayer les boulettes orientales qui m'ont l'air trop, trop bonnes. Du coup, il me tarde de vous montrer ça. Salut, salut!